Honnêtement, j'en souffre. Daniel Moreau se confie filtre sur son poids et ses rondeurs. Depuis 2017, Daniel Moreau est chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste. Sur C8, bienveillante et toujours souriante, la journaliste n'hésite jamais à se confier sur sa vie privée quitte à subir régulièrement les moqueries de ses collègues. Invitée à se confier auprès de Jordan Deluxe, celle qui a survivre sans machine à laver ni four est revenue sur quelques aspects de sa vie privée. Après avoir évoqué son histoire d'amour avec un homme marié, la journaliste a abordé ses problèmes de poids et d'addiction au sucre. Notamment le chocolat qui est sans conteste sa gourmandise préférée. Votre drogue c'est peut-être le sucre? Vous en parliez dans diverses émissions. Vous avez une vraie lutte avec le poids? S'est interrogé Jordan Deluxe. Immédiatement. Daniel Moreau a tenu à remettre les pendules à l'heure. Franchement, je pense que je ne mange pas plus que toutes mes copines. Pendant des années, j'ai fait 4 fois 1 heure et quart de piscine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Franchement, je ne bois pas. Donc j'en ai un peu marre de l'idée des gens qui sont en surpoids et qui, forcément, sont des gens qui bouffent des chips sur le canapé toute la journée parce que ça n'est pas vrai. A-t-elle lâché, lassée des stéréotypes permanents. J'ai des copines qui mangent des paquets de bonbons entiers et qui ne prennent pas un gramme. Il y a de l'injustice. Virgule a-t-elle ensuite déploré. Si elle veut rester positive et voir la vie du bon côté. Daniel Moreau ne souhaite cependant pas cacher que ses problèmes de poids lui mènent la vie dure. Honnêtement, j'en souffre quand je veux m'habiller et que je veux acheter des habits parce que c'est très compliqué. Où sont les magasins avec des plus de 46? Il y en a très peu, a-t-elle lâché avant d'aborder le problème récurrent de la grossophobie. On en parle très peu. On parle de la diversité à la télévision mais je pense qu'on ne verra jamais une personne en surpoids présentée le 20h. Pourquoi ? S'est-elle questionnée pour conclure.